Ils font des figures, sont des cours, toujours plus fort. Ils vivent à toute allure et font tomber les records. Quand les kangourous jouent, on est tous comme des fous. Kangourous. Allez, ectoplasme dégénéré, c'est un ordre, allez-y. J'ai le vertige. Oh non, 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 pas trop. Allez, allez-y, ma nièce. J'ai hâte d'être à demain et de voir la tête des kangous. Allez, on a la série. Vite, on a la nuit pour tout préparer. Vous avez tous compris ce que vous avez à faire? J'ai la liste, mon oncle. Soyez sans inquiétude, je serai demain votre fidèle assistante et dirigerai toute l'opération. Bien, bien, Vipéra. Si vous me trahissez tous, ma vengeance sera terrible. Préparez ce pont de singe, que tout ait l'air normal. Demain, ce sera l'apothéose, l'écrasement total, mon triomphe. Les kangous ne m'échapperont pas et je serai vainqueur du marathon. Parfait. Mais du calme, le pas élastique, le souffle puissant, échauffez-vous juste les muscles. 15 minutes d'entraînement. Suffit, arrêtez les kangous. Il fallait juste vous échauffer. Pas de fatigue inutile ce matin. Ah, je me sens super fort. Ne me retenez pas, je sens que je vais faire un malheur aujourd'hui. Eh ben, le marathon, c'est pas rien. C'est la course la plus impitoyable. 42 km, 185 mètres, il va y avoir des concurrents lâchés sur le parcours. Oh là là, tout ça, c'est pas extra. Et si on arrêtait tout de suite? Tu sais, Junior, pourquoi cela s'appelle marathon? Je sais que je voudrais être étendu devant une piscine à boire du jus de banane. J'ai eu un cours là-dessus à l'université. En 490 avant notre ère, le général athénien Miltiade remporta une grande victoire à Marathon. Et un coureur dépêché à Athènes pour annoncer la victoire courut si vite qu'il en mourut d'épuisement à l'arrivée. Qu'est-ce que je vous disais? Si on s'enfuyait plutôt que faire ce truc? Oui, Junior! Dans 3 minutes, nous arrivons, les kangous. Pensez à boire et à vous ravitailler pendant la course. Le marathon ne pardonne pas. Et rappelez-vous, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Je vous dis à tous, bonne chance pour cette course gagnée autrefois près d'un bois sacré par le berger Coroïpos. Premier champion de marathon. Majesté, avec Tom Book, on désire participer à la course. Oh, quelle idée stupide, Mitch. Vous êtes président des Jeux et Tom Book, chef de la sécurité de Westland. C'est vrai, ça. Qui va s'occuper de ma sécurité? Majesté, il n'y a pas de loi interdisant un président et un policier de participer au marathon. Vous-même, pourriez... C'est juste, Napo. Allez, allons-y! Toi, Mogo, veux chance vers marathon. Mais Mogo, ce n'est pas prévu. Majesté, un Mogo n'est qu'un Mogo. Il ne peut concourir avec nous, les vrais champions sportifs. Article 122 du règlement. Les grands jeux sportifs du Mysialand et le marathon sont ouverts à tous ceux qui veulent y participer.
sans discrimination de race, de fortune, de couleur ou de religion. Bravo, Archie! Nous sommes tous égaux. Mais, Majesté, si on accueille n'importe qui... La cause est entendue. Merci, Archie. La loi, c'est la loi. Mogo, prends place parmi les sportifs. Content. Tant maudit Mogo, maudit Kangoo. Bonne chance à tous! Vive le marathon du Midialand! Par là, les amis. Là, rien. Non. Tu as beau connaître ta forêt, Mogo. C'est bien indiqué, tu te trompes. Là, à droite. Bravo, Vipéra. Plan numéro 1, parfait. Bonne nièce. Félicitations à Buck et Joe. Ces idiots de Kangoo ont tout gobé. Ah, c'est vrai, oui, mon oncle. Alors qu'il est, les Kangoo doivent faire une drôle de tête. Ne perdez pas de temps, il faut arrêter les autres concurrents et être prêt pour les Kangoo. Je les connais, ce sont des obstinés. Plan numéro 2, ma nièce. Plan numéro 2. Un cul-de-sac! On s'est trompé! Ah, t'avais raison, Mogo. Tu connais bien ta forêt. Oh là là! Tout ça, c'est pas extrait! Oh, si je tenais, le crétin! Qui s'est trompé de signalisation? Trompé! C'est vite dit! Que sont devenus les autres? Il n'y a que les Manhattan derrière nous! Les Kangoo, tout ça, c'est trop mal organisé. Nous, on arrête le marathon. Ben, c'est votre droit, les Manhattan. Nous, on ne s'avoue pas battu! Kangoo! Bonne chance, les Kangoo. J'aurais juré avoir vu la flèche à gauche. Eh ben, moi aussi. Nous aussi. Moi, avoir dit. C'est vrai. On aurait dû t'écouter, Mogo. Moi, j'aurais pu mal voir, mais toi, Napo, c'est bizarre. Bizarre. Tu as dit bizarre, Archie? Oui, c'est bizarre. Autant t'étrange. Allez, assez de temps perdu. Le marathon n'attend pas. On y va. Devant ou derrière? Les malheureux sont tombés dans un piège à gros gibier. Ouais. Sûrement fait par des braconniers. Oh. Allons les secourir, Bob. Il faut aller chercher les secours, on y va. Phase 2 et 3 exécutées. Partons pour accomplir 4 et 5. Pour l'instant, nous coupons les communications radio, ma nièce. Thank you.
Mogo, Mogo, trouve une grande branche et lance-la nous. Mon cher Book, un marathon, c'est vraiment marathonien, mon cher Mitch. Et comme vous dites. Ah bah moi j'arrête, je déclare forfait. Moi aussi, tant pis si mon père est mécontent. Allons, un peu de courage, Jimmy. Le président sera si fier que vous arriviez au but. C'est pas un malheureux petit trou qui va nous arrêter. Oh, merci, les kangous. Vous auriez pu nous laisser où nous étions. Vous avez raison, Napo. Allons-y. Attention, faites le tour. Il y a une lave d'huile. Une paestra. Oh, 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 oh. Un cul-de-sac, un trou dissimulé par des branchages, de l'huile répandue dans les prés, des clous sur le chemin. Trop, c'est trop. Au secours, au secours. Au secours, les kangous! Au secours! Au secours! À moi, les kangous! Amis fidèles! Sauvez-nous! Vous ne pouvez pas nous laisser prisonniers dans ces pièges! Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais en raison de vos turpitudes, on devrait vous laisser pendouiller comme de grosses saucisses! Oh, pardon, les kangous! Nous sommes devenus honnêtes! C'est juré! Mister Dien est le responsable! Regardez ce qu'il a fait de nous! En plus, il a pris la tête de la cour! Là, tu m'étonnes! Que fait-on, hein? On dépense les deux gredins, on les laisse moisir là-haut. On les laisse là-haut. Non, on les fait descendre. Robur, tu as été un mauvais sultan et tu es un mauvais sportif. Mais je te pardonne. Je te pardonne tes méchantes actions. Et à toi aussi, Janus. Les kangous, mes amis, délivrez-les. Vous avez de la chance, Robur et Janus, que le prince ait intercédé en votre faveur. Moi, je vous aurais laissé pourrir longtemps. Je vous rappelle que nous faisons le marathon et que Mister D, par hasard, est en tête. Assez discuté. Vous savez qui est devant? Personne, Napo. Vous êtes les premiers, les kangous. Par ici, beaux jeunes gens. Oh, mes bons kangous, mes champions favoris. Voici des beignets. Je les ai faits pour vous. Ne mangez pas! Ne buvez pas! Allons, courage! Relevez-vous, les amis! On ne va pas perdre le marathon! Vous ne comprenez donc pas que Mister D est derrière toutes ces catastrophes? Pour comprendre, on comprend, mais je te jure que ces beignets, c'était du ciment. Oh, oh, les boissons nous ont tourné la tête. Allez, tous à l'eau pour se réveiller. Allez, Mogo, debout. Oh, rien à faire, une donne comme un bébé. Je suis épuisé. Allons, courage,
Je suis presque au bout. Après, je n'aurai plus qu'à me débarrasser de cette idiote de vipérin. Non. Oh, mon émetteur était allumé. Ma nièce, comment ça se passe? Vous avez entendu ce que je viens de dire? Non, mon oncle, vous allez gagner la médaille d'or. Parfait, parfait, bien. Envoyez-moi Buck avec l'hélicoptère, j'en ai assez de courir. Il va me faire faire un bond de 10 km ni vu ni connu. J'arriverai frais comme une rose. C'est parti à l'heure comme prévu, mon oncle. J'aimerais la recette de vos beignets au ciment, Vipéra. Je vous vois, les kangos. Vous n'avez pas honte d'être la complice de Mr. D. Et en plus, vous êtes stupide, il sert de vous. C'est vrai, ça. Mr. D aura toute la gloire et vous n'aurez rien, mathématiquement. C'est vous la perdante. Ma pauvre Vipéra, vous êtes le jouet d'un oncle diabolique. Quand il aura sa médaille d'or, il vous laissera tomber. Oui, je sais. D'ailleurs, il m'a déjà fait le coup plusieurs fois. Tenez, je ne suis pas complètement idiote. J'ai pris mes précautions. Il triche. Il a pris un hélicoptère pour avancer de 10 km. Bravo, Vipéra. Vous choisissez le bon camp. Celui de l'honnêteté. D'une certaine manière, mon oncle m'y a aidé. Attention au pont de sage, les kangous. Il est saboté. Tout va bien, on peut passer. Passer donc les cancans, les kangous. Voilà, j'ai le vertige. Oh. Misère, ce vide, tout ce vide. Oh, j'ai peur. Tu peux te charger de lui? Ma nièce, l'hélicoptère est trop visible. Venez me chercher en voiture, ce sera plus discret. Ah, les kangous, on les a bien eus. Déposez-moi à 500 mètres de l'arrivée. Ces idiots d'organisateurs n'y verront que du feu. Bien sûr, mon oncle. L'arrivée au stade n'est-elle pas bientôt à droite? Mais non, mon oncle, c'est plus loin, à gauche. Faites-moi confiance. Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. Ici votre fidèle Roy Water qui vous parle en direct du stade des Jeux du Mizialand où les concurrents de ce marathon vont bientôt arriver. Le record du monde sera-t-il battu? Suspense, angoisse, surprise! Tandis que les caméras de SW1 nous montrent les personnalités les plus représentatives, on m'annonce dans mon oreillette l'arrivée des kangous en tête de cette extraordinaire course! Ça fait un bout de chemin. 42 km 185. Oh, pour quelques petits kilomètres de plus, moins. Et en combien de temps, Napo? 2 heures, 3 minutes, 5 secondes, 2, Majesté. Mais ce n'est pas si rapide que ça. On a fait le plus vite possible, Majesté, mais on a eu quelques petits problèmes en route. Ce malfaiteur, caché sous un pont, l'a saboté. Il a voulu aider Mr. D à tricher honteusement. Napo, Kevin.
Devinez-vous, Nelson, et le Moku, voici vos récompenses. C'est un complot! Une trahison! J'arrive à temps! Oh, c'est un sabotage des Kangoo, je t'avais gagné! C'est moi, moi, Mister V, la médaille d'or! Que faisais-tu caché sous le pont? Ma majesté, rien! Je cueillais des marguerites! Vos accusations contre les Kangoo n'ont aucune valeur, Mister D. Je suis convaincu que c'est vous qui avez triché. Mais n'en ayant pas la preuve absolue, estimez-vous heureux de ne pas être chassé du Mizialand. Les grands jeux sportifs continuent. Napo, voici la médaille d'or du marathon. Kevin, la médaille d'argent. Nelson et le Mogo, la médaille de bronze. Oh, je suis si heureux, les Kangoo ont gagné tant. Oui, mais c'était le marathon de tous les dangers. C'est votre faute, maudite nièce. Après, je n'aurai plus qu'à me débarrasser de cette idiote de Vipera. Tel est le prix qu'il croyait prendre, mon cher oncle adoré. Quand les Kangoo, quand les Kangoo jouent, on est tous comme des fous. Ils font des figures, sautent